Bonjour, chers youtubeurs. Je suis là aujourd'hui pour vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de sauvegarder vos données, quelle que soit, ça soit vidéo, photo, musique, documents, vos données qui sont sur votre Android, de le sauvegarder dans votre compte Google. Tay dama ñew wan len nan ngay enregistrer wala nan ngay garder say données personnelles mu nek photo musique wala say document nga garder ko ci sa compte Google ba sa wo perte sa téléphone so amate benen téléphone bo dougalé sa compte Google rek tu l'aura vite fait. OK, dolu lan moy avantage parce que sellu nañ li ngay perte téléphone dafa bari, li ngay changer téléphone dafa bari tout le temps. Ok, si ça a enregistré ces données personnelles sur compte Google, du jour où vous changez téléphone, vous n'êtes plus digital et donné de où, rachetez le téléphone break, gardez, gardez ce téléphone dans votre compte Google, synchronisez ces données personnelles. Ok, je vais vous montrer aujourd'hui. Pour ça faire, dans le Play Store, allez sur Play Store et téléchargez l'application Google Drive. Dans le Play Store, vous téléchargez l'application Google Drive. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Téléchargez la première fois. Maintenant, nous allons sur Google Drive. On va entrer sur Google Drive et je vais vous montrer. Voilà Google Drive. On tape sur ici. Attendez un peu. Voilà. Voyez là, venez sur fichier, voilà fichier, voyez mes documents là. Ok, je vais vous montrer. Pour le faire, il faut arranger que votre Google Drive est déjà connecté sur votre compte. Voilà, en haut, en droit. Je vais vous montrer. Il faut connecter avec votre compte. Voilà, j'ai déjà connecté avec mon compte, mes deux comptes là. Ils sont tous dans Google Drive. Mais il faut que c'est un compte, qui ne connecte pas parce que vous voulez que direct sur une douleur et d'un lagnon de gauche compte Google. Allez, on va aller doucement. Vous appuyez sur ce plus là, gisez un plus bus si c'est droite. Vous appuyez sur ça et vous appuyez sur import. Il y a import le bouton qui est en milieu. Automatiquement, il va vous diriger directement sur votre téléphone. Ah ok, stockage bi da ngay ñew fi nga dugg fi nga bëgg dugg. Voilà un téléphone Tecno Spark 5. Vous entrez dedans. Vous allez trouver tous vos dossiers qui sont dans vos Android. Là, vous regardez où vous avez stocké le document que vous voulez enregistrer, soit vidéo, soit photo, soit que ce soit. Ok, man dama leni wat ben pat si man lan la bëgg enregistrer, je vais enregistrer une photo. Et le photo c'est dans Synap. Ma dugg Synap pour enregistrer la photo bi fi nek. Photo bi mu fi bëgg def quoi. Gis nga, su fekké dama bëgg enregistrer photo yu bari, j'appuie longtemps, j'appuie et je maintiens. La sélection va apparaître et je sélectionne. Gis nga, su fekké dama bëgg duggal photo yu bari, damay appuyer T. Sélection après ñeu ma sélectionné photo yu ma bëgg sélectionné. Du coup comme vidéo la def rek damay sélectionné ben photo kessé, mais ben photo kessé bokoy dougal, il suffit juste de appuyer, regarder, appuyer une seule fois et laisser. Préparation de l'application de fichier, importer fichier bi, regardez, montrer la photo, vous voyez importation. Ok, il a déjà fait l'importation. Je vais vous montrer la photo. Je vais chercher la photo. Voilà, la photo est là. La importe. Ok, vous voyez, je l'ai fait. Si c'est vidéo, si c'est musique, ça marche comme ça. Enregistrez toutes vos données dans votre compte Google. Le compte Google vous donne 15 gigas de connexion gratuite. 15 gigas, je ne sais pas. 15 gigas de stockage gratuit quand même. Vous voyez, il va vous donner 15 gigas gratuit. C'est 15 go gratuit. Mais ce fait que 15 go, il va dire, vous pouvez l'acheter.
man ngeen jënd ci Google mu joxale yeen stockage. OK, à la prochaine fois. Si vous aimez cette vidéo, likez, abonnez, partagez pour vos prochaines vidéos. Bo leen bëggé vidéo bi, abonnez-len pour yeen vidéo yi di ñëw. C'était Risk Technologies.